autant d'exécutifs rassemblés en un même lieu, ça donne des idées, notamment aux entrepreneurs venus de La Réunion. Et bien, plusieurs d'entre eux sont allés vanter et vendre leur savoir-faire. Bergette de Saint-Jacob et Bruno Gabetta. Des entreprises réunionnaises sont au rendez-vous des maires de France à Paris. À la portée des acteurs de la commande publique, elles veulent gagner des marchés pour leurs différents produits. Le salon des maires et le congrès des maires qui se tient juste à côté, c'est le plus grand supermarché de l'achat public de France qui se tient une fois par an. On a l'ensemble des DGS de France et des administratifs, des collectivités locales et territoriales qui sont présentes sur ce salon. Et on estime que les entreprises réunionnaises ont une offre à proposer à ces différents acheteurs publics. Entreprise innovante, DM Conseil avec trois autres partenaires vient d'être retenue au plan national pour son projet Proxemploi, des connexions de proximité pour offrir des emplois. Leur éviter, par exemple, dans un contexte, dans une démarche de développement durable, de courir partout dans l'île avec nos communes très étendues pour aller aux endroits où sont exposées ces offres d'emploi. On va leur rapprocher et de la façon la plus gratuite possible par des envois sur un téléphone de messages Bluetooth ou de messages SMS. Et si l'offre les intéresse, ils pourront consulter le détail, encore une fois gratuitement, par des bornes Wi-Fi qui seront mises à leur disposition. D'autres innovations sont proposées dans ce stand. On peut citer le ramigno, substitut de sel inventé par un boulanger avec des chercheurs. Les collectivités ont beaucoup d'avantages de prendre mon pain dès le départ pour combattre l'obésité qui rentre dans ce cadre-là, parce que mon pain a une particularité d'être à moins 30% d'indice glycémie dans un pain basique du départ et 60% d'indice glycémie en moins par rapport au pain complet. Et puis bon, ça va s'étendre dans les viennoiseries et biscuiteries. Sur les 12 sociétés présentes, on remarquera aussi une entreprise de maîtrise de l'énergie dont les avancées peuvent intéresser plus d'une commune de France.